je reprends. J'étais attirée à l'arc sur l'aigle royal. Quand est-ce que c'est reparti? Tu me dis quand c'est reparti. Je vous attends. Je bois un coup en attendant. Mais du coup, ça va tout décaler, mais... D'accord. Merci. Re-coucou. C'est reparti. Alors, je ne sais pas exactement où ça a coupé. Il me semble que j'étais de profil, je ne sais pas trop. Si vous pouvez donner une indication par le chat à Jérémy, qu'on sache où je reprends. Est-ce que je crois que j'en étais attirée à l'arc sur l'aigle royal pour stimuler les reins, mais je ne suis pas sûre. Alors, on va refaire. Tirer à l'arc sur l'aigle royal. Ouverture. Tenir un ballon. Je vous le fais de profil. Change le ballon. Regardez l'index. Descendre. Tourne. Tire. Presse. Alors, je ne sais pas si on va y arriver ce soir, hein. Désolé, petit problème technique. Donc, on a vu tirer à l'arc sur l'aigle royal. On va voir séparer le ciel et la terre pour activer la circulation du chi dans la rate, l'estomac et le foie. Poussez le coccyx. Regardez sur le côté. Le dos, le ventre, les omoplates, les coudes, les pauses. Dans l'autre sens, on tourne. Des bas cuits. Pause. Ramène le 6. Pause. Relâche. Presse. Je vous montre peut-être de profil une fois. Donc, séparer le ciel et la terre. Pousse coccyx, détends. Relâche.
basse. Coccyx. Tire les cervicales. Et tourne. Ce mouvement-là que je suis en train de faire est très intéressant pour le rein, pour les 6 méridiens de jambes et les 6 méridiens de bras. Donc, il paraît simple, mais en fait, c'est jambes, hanches, dos, omoplate, évidemment le dos et le ventre ensemble, coude, genou, poignet, cheville, pied, main. Et dans l'autre sens. Très bon pour la rate, pour le système immunitaire, pour Reiki. Pour plus d'infos, voir les vidéos précédentes. Relâche. Inspire. Inspire. Je ne sais pas si les problèmes techniques sont résolus. Ça marche. J'espère qu'on est tous ensemble. Je compte sur votre présence parce qu'on se donne tous énormément de mal. Regardez derrière pour prévenir les 5 maladies et les 7 blessures. Tire, pousse dans le sol. Pose, grandis, tire, amène côte 6. C'est pas ici que je commence, au contraire, ici je pose. Amen. Tour. Grandis. Pose. Tourne. Garde les aisselles ouvertes. Grandis. Calme le cœur. Pose. Encore une fois de chaque côté. Tour. Garde les aisselles ouvertes. Pose. On le fait la dernière fois de profil. Ça calme les émotions. Ça libère les cervicales. On relâche. Tour. Agitez la tête et secouez la queue pour calmer le feu du cœur, de l'intestin grêle, du triple réchauffeur, du maître cœur. Le poumon hérite du feu du cœur. Donc dans cet exercice, ça travaille poumon gros intestin pour l'éliminer le feu. Moine Shaolin, pose, ouvrir, pose les mains sur les genoux, les coudes vers l'extérieur, pousse la jambe, grandis, amène coccyx, ramène jambe, centre, on n'est pas obligé de le faire bas, on peut le faire ici, décambre. Pause.
Pause. Pause. Ça part bien du bas. On peut le faire plus haut. Tranquille. Je le monte haut. Ça renforce les reins. Trop bas. Si on voit qu'on est trop haut, on met les mains sur les genoux si on descend bas. Et si on ne va pas trop bas, on met les mains sur la taille. Là. Pousse. Amène coccyx, tourne. Ou planche. Amène. Pousse. Encore une fois de face. Bon, je ne sais pas si je le fais bien parce que j'ai pas de retour et puis j'ai pas de miroir, donc c'est toujours difficile. Mais en interne, c'est ça. Sans descendre trop bas. Pousse. Ouvre. Pose. Pousse. Ouvre. Pause. Ferme. On peut le faire où? On peut le faire à ce niveau-là. Juste là. Tac. Ce qui compte, c'est de travailler hanche. Pousse. Amenez coccyx. Renforcer les reins, saisir les chevilles. 6. Presse. Tire. Glisse. Le profil. On n'est pas obligé de, on peut le faire jambes serrées d'ailleurs, c'est même mieux. L'idée de descendre l'énergie du méridien de la vessie. Expire.
Encore de face. Une fois. Deux. Un. Je vous le montre sans descendre si bas. Pensez bien que c'est pas ici, c'est ici que je pousse. Et c'est mes poings qui poussent. Ici. Hop. Tirement tout bas sur vos plates. Pousse. On descend jusqu'ici, si on ne veut pas descendre trop bas. Monte. On peut aussi plier les genoux pour remonter. Pousse. Lâche. Descendre. En montant les fesses. Plie les genoux pour remonter. Voilà, tranquille. Ferme. Presse. Tranquille. Renforcer les reins. On y met aussi l'intention. Les poings pour augmenter la force. Je me mets de profil et après je le fais de face. Pause. On n'est pas obligé d'aller bas. Pousse. Ouvre. Regardez férocement. Profil. Cet exercice, il crée carrément de nouveau l'essence
Madeira, l'essence prénatale. On n'oublie pas que l'essence des reins permet la création du Wei Qi et donc du système immunitaire. Donc on le fait haut, peu importe. Gardez bien l'assise. Il disperse des stagnations de sang, d'humidité, de glaire, d'énergie. Donc il est important à faire. Pause. Je vais le faire d'ici. Marche. Tac. Ouvre. Hanche et omoplate. Ramène. Pousse. Ouvre. Hanche et omoplate. Faire. Soulevez 7 fois les talons pour traiter la maladie. Soutenir les reins, soulever, active les 6 méridiens de jambes et augmente la circulation de tous nos liquides vers le haut, vers les méridiens du haut et backward. Ferme. On va faire un autre petit mouvement de la tortue pour les reins et du serpent pour le poumon. Tranquille. On va commencer par le serpent et on fera un ou deux mouvements de la tortue en fonction du temps. Je bois un petit coup parce qu'il fait quand même très chaud. On va commencer par le serpent. Pause. Tenir le ballon. C'est un peu comme tirer l'aigle royal. Descente. Change le ballon. Profil. On fait le deuxième mouvement du serpent et on terminera par la tortue. C'est pas grave si on a 3-4 minutes de retard vu qu'on a été coupé, même si je me fais un peu gronder par l'ingénieur informaticien. Deuxième mouvement, tenir le ballon, hanche, face et la tête du serpent,
Ça, c'est la queue. C'est pour ça qu'elle bouge en dernier. Tête, queue. On peut le faire en marchant, le troisième mouvement. C'est un peu plus complexe. Et comme il y a le tai chi derrière, on va faire deux mouvements de la tortue. Premier mouvement. Calmez le corps. Travaillez bien les omoplates. Le profil, sans descendre trop bas. Une fois. C'est le corps qui descend. Tire, pousse les omoplates vers le bas. Lève. On fera une série sur les animaux du Wudang, peut-être samedi. Pratiquez déjà les pièces de brocart avec toutes les explications des autres vidéos. Essayez de sentir. Presse. Essayez d'harmoniser. Le lien entre le haut et le bas. Et si vous aimez, faites-nous connaître
abonnez-vous en cliquant, c'est gratuit. Hein. Vous serez juste informé des nouvelles vidéos, des stages, de tout. Et ça nous permettra, nous, d'atteindre un nombre intéressant d'abonnés pour pouvoir vous faire encore plus de lives et de manière plus simple et plus efficace, avec moins de problèmes techniques. Bonne soirée, maintenant c'est l'heure du Tai Chi. En 10 minutes avec Patrick. Merci pour votre participation.